Good morgen. Allez, Iden et Susan aujourd'hui, elle est le Nishma Traester Bat Miram. C'est que le Fadal Vizra de Shimon Ben Traester, Hamshad Miram Bat Roselena Bin Bin Ben Chabiba, Inon Chai Ben Jessica et Shmuel Meir Ben Miriam, Serel Betor Shar Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, qu'on a été la 5e unité éternelle, nous étudions la Sechet Ruin, Perikut Mishnah Yudbet. Marzirin, Sir Atarton Bamigdash, Aval Luba Medina, Ve Ha Elion, Kanvekan Asur. Rabbi Yoda Omer, Ha Elion, Bamigdash, Ve Ha Atarton, Bamedina. Depuis la Mishnah Yudalef, on a évoqué des différences qui se passaient dans les interdits des Rabbanan au Bet HaMikdash et dans le reste du pays. Soit, de manière générale, sous siyag la Torah, la Mishnah Pirkei Avot nous dit, faites des barrières à la Torah, Mishmeret le Torati, la Torah nous dit aussi de mettre une barrière entre les interdits de la Torah. Chachamim ont fait toutes sortes de décrets dans toutes sortes de situations, où ils ont estimé que pour t'éloigner de ne pas t'empêcher de transgresser le grave interdit, il faut que tu t'interdis des choses beaucoup plus tôt. Comme ça, tu ne vas même pas commencer des mauvais usages au risque de transgresser. Pour au Bet HaMikdash, Chachamim n'ont pas, donc plus beaucoup d'interdits, ils les ont supprimés, ils ne sont pas en vigueur au Bet HaMikdash. D'accord? On avait évoqué dans la mishnah précédente l'histoire avec le Nagar Negrar, le fameux battant de la porte, est-ce qu'il fallait qu'il reste, qu'il soit attaché avec une corde, ou pas du tout, toutes sortes de d'accord, toutes sortes de considérations. Et puis maintenant dans Mishnah Yudbet, on va parler d'un tout autre sujet, mais avec des différences de nouveau au Bet HaMikdash et dans le reste du pays, qui est, ce sujet va continuer jusqu'à la fin de la Masechet. Et on commence par traduire d'abord, vous n'allez pas tellement comprendre, mais d'abord on va comprendre un peu les mots. Marzirin Siratarton Bamigdash, on peut remettre en place le tir, la charnière inférieure au Bet HaMikdash, à l'Oba Medina, mais pas au pays. Ça veut dire, en fait, on parle, je dis tout de suite, on parle d'une boîte qui a une porte qui s'ouvre sur le côté. Il y a une charnière en haut, une charnière en bas pour tenir la porte et permettre d'ouvrir. Si la charnière du bas sort de son. Se déboîte, elle sort du gond, alors. Eh bien, on pourra la remettre au Bet HaMikdash, mais ben, Medina, je t'interdis de la remettre. Vea Elion, et si c'est la charnière du haut, Kan ve Kan Asur, ici et ici est interdit, que ce soit au Bet HaMikdash, comme chez toi, je t'interdis de le faire. Apparemment, parce qu'on interdit, mais la Torah, on va expliquer ensuite après plus dans les détails. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Ha Elion, Ben Migdash, non, t'inverses. C'est-à-dire là, tu m'as dit que en haut, c'est interdit dans tous les cas. En bas, tu permets au Bet HaMikdash, mais pas dans au pays. Moi, je te dis le contraire. Non! À Elion, Bamigdash, celui du haut, je te permets de le remettre au Bet HaMikdash, mais pas chez toi au pays. Vea Tarton, Bamedina, et celui-ci, celui du bas, même chez toi au pays, tu as le droit de le remettre. Et on explique un petit peu de quoi on parle. Donc, comme on a dit, tout d'abord, on parle d'une boîte métal-tel, un bien mobilier, mais pas quelque chose de fixe, de fixé au sol. Parce que si c'est fixé au sol, alors. Faut savoir, dans n'importe quelle porte qui va se un petit peu déboîter pendant le Shabbat, en aucun cas on a le droit de remettre un coup pour pouvoir le remettre. C'est même fréquent dans des portes coulissantes, d'armoires, ou des grosses armoires ont statut de fixer au sol. Si quelque chose qui sort du rail, on n'a pas le droit de remettre dans le rail pendant le Shabbat. C'est très grave. D'accord? Tout ce qui est grand fixé au sol, on transgresse forcément l'interdit de bonnet. Là on parle maintenant d'ustensiles. Avec une porte, de nouveau. Alors. En fait, le Barthona explique la marloquette en fait qui se passe en coulisses, c'est précisément est-ce que Yesh Binyan Bekelim ou En Binyan Bekelim. On est grand, on en reparlera un petit peu après, mais en tout cas, Tanakama il est très marmire, il va nous dire, tu sais, je t'explique quelque chose. Il y a une différence d'abord dans une porte, entre la charnière du haut et la charnière du bas. Techniquement, la charnière du haut, elle est plus importante que celle du bas. En fait, si je peux dire, tout le poids. Il fonctionne sur celle du haut et celle du bas, elle aide à celle du haut à ce que ce soit bien centré pour que ça ne tombe pas. Parce que si jamais, imaginez maintenant une charnière qui sort, on a celle du haut mais pas celle du bas, ou celle du bas, pas celle du haut, vous allez voir tout de suite. Si la charnière du bas elle est fixée, mais celle du haut elle est sortie de sa place, la porte elle a tendance à tomber, elle risque de tomber, elle va finir par tomber. D'accord? Alors que quand c'est celle du haut, alors la porte elle tient, elle est juste pas assez bien casée et calée, donc il faut lui mettre celle du bas aussi. C'est la différence fondamentale. Qui fait que lorsque la charnière du haut sort de son de se déboîte, eh bien la porte elle est en train de tomber,
la refixer est une action plus importante, plus grave, plus assimilée à l'interdit de monnaie ou avec laquelle. Cela, maintenant, on y arrive. Selon Tanakama, dans ce cas-là, tu transgresses un interdit de bonnet Minatora, de construire. Donc, tu as le droit de le mettre même au Tobetamikdash. Celle du bas, il n'y a plus d'interdit de bonnet de la remettre parce que la porte, elle n'a pas, ça fonctionne toujours. Malgré tout, c'est quoi ma crainte? C'est que peut-être que quand tu vas la fixer, tu vas être toqué à Ota, tu vas la fixer encore mieux en lui mettant un clou, en lui mettant quelque chose pour mieux qu'elle tienne plus. Dans ce cas-là, si tu le feras ensuite, lorsque tu mettras le clou ou quelque chose qui va mieux la caler, tu vas transgresser un interdit Minatora, mais pour le moment, le simple fait de la remettre à sa place, c'est pas un interdit Minatora. Au Beth Amikdash, je ne t'interdis pas de le faire. Chez toi, à la maison, je t'interdis de le faire parce que tu risques d'être toqué à Ota, chez Maïtka, de peur qu'il va mieux la fixer et que c'est une melacha. Ça, c'est la vie de Tanakama. Rabbi Yehuda nous dit non, écoute, dans tous les cas, en binyan bekelim, dans les ustensiles, il n'y a pas d'interdit de bonnet. D'accord? Il peut y avoir un interdit de kebab patiche, c'est pas le sujet pour le moment. Ici, il y a pas d'interdit de bonnet sur le simple fait de remettre en place la porte. Du coup, si la charnière du bal tombe, elle se déboîte, tu as le droit de la remettre tout le temps. Je ne crains pas que tu risques de la fixer, parce que même si au pire tu la fixes, tu n'en seras pas l'interdit de la Torah. Et quand c'est celle du haut, alors là, je te l'interdis chez toi à la maison. Parce que là, comme la charnière est la plus importante, là j'ai peur que tu vas quand même finalement la maintenir plus fortement. Il y a un shvout. Tandis qu'au Beth Amikdash, je t'interdis pas de le faire. D'accord? C'est clair? Je reprends. Selon lui, je suis un peu perdu, j'ai un peu perdu le fil de mes idées. Mais voilà. En binyan bekelim, velike la shvout, au Beth Amikdash, lo gazru à la shvout. Soit il n'y a jamais d'interdit Minatora, il y a juste un interdit que c'est assimilé à un interdit de bonnet parce que ça ressemble, on peut mettre quelque chose en place. Donc quand c'est celui du haut, il y a un interdit de Rabbanan. Au Beth Amikdash, j'interdis pas. Celui du bas, c'est toujours permis de le remettre. Selon Rabbi Yehuda, l'halakha n'est pas établi comme Rabbi Yehuda, mais comme Tanakama. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.